Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation un petit peu spéciale du jeu, puisque je n'ai pas la notice. Et grosso merdo, même si j'avais eu la notice, je pense que je ne vous l'aurais pas présenté, parce que vu l'édition de ce jeu, qui est un jeu qui vient de Simple 2000, comme le jeu de tennis que j'avais pu vous montrer, qui était vraiment une belle bousasse. Donc là, on est sur un jeu de type FPS sur la PlayStation 2. Donc on va voir à quoi ça ressemble, mais franchement, tous ces jeux-là, Simple 2000, j'ai bien peur que ça soit franchement des jeux qui ont été édités en une semaine, voilà, pas cher, et qui vous permettent d'avoir un FPS pas cher, bon, jouable ou pas, on verra ça de suite. Donc je voulais vous présenter aussi la nouvelle manette que je viens de recevoir, enfin il n'y a pas très longtemps. Une manette toute orange, du même style que la bleue, transparente, sauf que voilà, la couleur est orange et j'aime bien vraiment ce style de manette. Voilà, donc on va partir pour ce jeu, The Blablabla. Je ne sais absolument pas le nom de ce jeu, The Blablabla. Vous avez le code de... Alors attendez que je regarde bien. Voilà, le code de jeu qui est SLPM 62504. Vous pouvez trouver le jeu par vous-même. C'est un jeu qui est sur CD-ROM et pas sur DVD, puisque le CD est tout voilà, de cette couleur-là. Donc quand c'est de cette couleur-là, c'est un CD, ce n'est pas un DVD. Et donc on va voir à peu près à quoi ça ressemble, mais j'imagine que ça va être une belle merde. Allez, à tout de suite pour la capture d'écran. Allez, on est parti pour le jeu. Alors j'ai déjà pas mal galéré pour savoir quoi faire dans les menus, je dois vous l'avouer. Donc on est parti cette fois-ci. Normalement, on devrait pouvoir enfin rentrer dans le jeu. Et ça a l'air d'être bien pourrave. En tout cas, si le jeu est aussi pourrave que le menu, ça promet. Battle One. Alors mais c'est quoi ça? Mais c'est un jeu de paintball en fait? Je comprends rien. Ça a l'air d'être un jeu de paintball, non? Battle One. Alors, comment on fait pour tirer? On tire avec ça. Bon, au niveau de la maniabilité, on a vu pire. Graphiquement, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Pour du 2004 sur PlayStation 2, excusez-moi, mais quand même vu mieux que ça. Donc là, apparemment, ça a l'air d'être les limites du truc. Je pense que je peux pas passer au-delà de... Oh putain, il y a des bugs là. Il y a eu un bug là sur la gauche. Ah, ici, voilà, un beau bug. Ah, je suis mort. Bon, très bien. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Defeat. Donc, est-ce qu'on peut courir? D'accord. Donc ça, c'est le mode visé. Ça, c'est le mode tir. Est-ce qu'on peut courir? Ou pas. Reload. Ok. Le problème, c'est qu'on a un petit peu de mal à voir les ennemis. Oh putain, la pute! Ok, d'accord. Ah, c'est quand même des séries de jeux. Franchement. Là, tu m'étonnes le score de merde que j'ai fait. Par contre, ça a l'air quand même d'être assez complet parce que dans le menu, on pouvait choisir quand même pas mal de types d'armes, de types de vêtements, etc., etc. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est assez fourni sur tout ce qui peut être. Je continue, bien sûr. Ça a l'air d'être plutôt fourni. Par contre, c'est vrai que qu'est-ce que c'est laid? Et le problème aussi, c'est que c'est un jeu où il y a quand même de l'anglais, mais on ne peut pas choisir le jeu entièrement en anglais. Donc ça, c'est quand même un problème. Je déteste ce type de jeu qui... Alors attends. Voilà, donc là, il y a le gun shop. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que j'y suis allé tout à l'heure et donc on va perdre du temps. Comment je m'étais démerdé? Temps de chargement de merde en plus! Comment je m'étais démerdé? Je crois que j'avais fait ça, 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 et voilà. Ok.
Bon, bah écoutez, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein, c'est vraiment un FPS moisi. De toute façon, les FPS sur la PlayStation 2 et la Xbox en général, même si Xbox avait fait quand même beaucoup d'efforts, des FPS avec une manette, c'est quand même une hérésie. Hein, faut le reconnaître. C'est absolument pas fait pour ça. C'est pas du tout maniable, c'est pas du tout réactif. Il y a eu des progressions ensuite au fur et à mesure. On est tout à fait d'accord. Allez, on va essayer au moins de buter quelqu'un. Apparemment, on peut pas courir. Hein. C'est ça qui est un peu chiant. Attendez, là, je peux. D'accord, là, je suis standing. Ouais! Victory! Heureusement que la personne tire comme une merde. Ouais, non, c'est absolument pas maniable. Alors, c'est pas. Le maniement n'est pas moisi, mais regardez le temps qu'il vous faut pour vous tourner, quoi. C'est juste impressionnant. Avec une souris, vous vous tournez généralement en l'espace d'un quart de seconde. Là, franchement, ça met beaucoup trop de temps. Ah putain, je l'ai pas vu. Et puis bon, c'est tellement laid, quoi. C'est tellement laid. Tellement dégueulasse, putain, les animations, la meuf là quand elle avance, putain, c'est vraiment du très très mauvais. Hein. Il y avait des jeux sur PlayStation 1 en FPS qui étaient beaucoup plus beaux que ça. Rien à dire. Le problème, c'est que je sais pas d'où viennent mes ennemis en fait. Alors, je crois que c'est un paintball en fait. Hein. Je pense pas que ce soit un truc de. L'IA est moisie. Elle est avec moi, elle? Oui, elle doit être avec moi, elle, certainement. Et elle, c'est qui, elle? Pourquoi pas rien à ce jeu, sans déconner. Est-ce qu'on me tire dessus déjà? Est-ce que tu me tires dessus toi? Non mais c'est n'importe quoi, elle était. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors en plus, le bruit de l'oiseau là que j'entends me casse les noix. Attendez, je vois quelqu'un là-bas. C'est vraiment difficile à jouer, hein, je vous le dis. Alors, putain, mais c'est quoi cette IA de merde? Mais elle est avec moi ou pas? Oh là 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 là, que c'est casse-couille. D'accord. Depuis tout à l'heure. Bon, bref, bon allez. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. C'était de la merde en brique. Voilà. Donc ce jeu dont je vais écrire le nom sur la description, enfin en tout cas sur le titre de la vidéo, c'est vraiment de la merde en brique absolue. Voilà, donc j'ai encore deux ou trois jeux de cette série-là que je vous montrerai, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire de cette série. C'est vraiment des jeux, voilà, programmés en l'espace d'une semaine. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!